Fatou a demandé à son papa de l'aider pour que Alagui Sellou l'épouse comme sa deuxième femme. Parce qu'elle a une rêve grandiose. Elle veut commander. Son rêve, le plus absolu, elle veut commander. Elle veut être la femme d'une personnalité. Elle veut que ce soit une personnalité qui l'épouse. Donc, Fatou, gars, tu es amoureuse du président. Gars, tous les cris là, c'est à cause de ça. Vous savez, si une femme a la colère contre un homme qui ne veut pas d'elle pour l'épouser, vous savez que la guerre là ne finira jamais. Vous savez que la guerre là ne finira jamais. Vous savez que la guerre là ne finira jamais. Et c'est pourquoi elle dit, elle redit qu'elle ne naissera jamais ce Lou Dalain. Parce que elle ne croyait pas, à cause de l'amour, à cause du respect que son père a pour ce Lou Dalain, que ce Lou Dalain peut refuser ça à son papa. À cause du respect, à cause de l'amour que ce Lou Dalain avait pour son père, elle ne pouvait pas, elle n'a pas imaginé, que Alagui Sellou peut refuser ça. Ah! Maintenant, le président a dit qu'il n'épouse pas Fatou. Ça m'a été dit par un membre de sa famille. Et sa famille est au courant. Et ça, c'était le rêve le plus absolu, la plus grandiose rêve de la maman des pauvres. Si vous voyez, elle ose sortir, s'asseoir pour insulter le président. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de commencer, le papa, paix à son âme, de la famille Nyeloy. Elhadj Oumar Nyeloy Diallo. Il a eu des femmes. Il a beaucoup d'enfants. Et j'ai même le nom de tous les enfants qu'il a eu maintenant là. Donc du coup, bientôt, hein. Donc la première femme, il ne faut pas qu'on se cache les choses. Le temps qu'on a. Il faut écrire dans le live alors. Il faut écrire seulement un commentaire. Je ne vois même plus les commentaires défiler là. Ça a monté là. Il faut écrire dans le live. Écris seulement bonjour, bonsoir. Il faut écrire dans le live. La première femme s'appelle Nene Hadja Souadou. La première femme du papa de la maman des pauvres.
sa première femme, c'est-à-dire la co-épouse de sa mère, s'appelle Hadja Nene Souadou. Elle a eu des enfants pour El Hadj Oumar Nieloy Diallo, un cadre, oui, c'est-à-dire une personne pieuse. Je ne vois plus les commentaires monter. Les commentaires, c'est limité à So Saïdou. C'est limité à So Saïdou, qui a écrit, il y a blogueur dans blogueur. UFDG, bientôt à Sékou Touréa, vive le président Sélou Dalin. Je ne vois plus les commentaires monter. Bloqué. Quand il faut écrire dans le live, alors je vois. Donc El Hadj Oumar Nieloy Diallo. Sa première femme s'appelle Nene Souadou. Nene Souadou a eu le premier fils, l'aîné de la famille. L'aîné de la famille. Il s'appelle Al-Hassan, oui, Tierno Al-Hassan Nieloy Diallo. Koto Al-Hassan. C'est le grand frère de Fatou Nieloy. C'est l'aîné de la famille. C'est lui qui représente aujourd'hui El Hadj Oumar Nieloy Diallo de son vivant. C'est lui qui représente son père maintenant. Maintenant, lui, il a sa jeune sœur qui s'appelle Hassanatou Nieloy Diallo. Il y a Mamadou Dine Diallo. Mamadou Dine Nieloy Diallo. Ça, c'est les enfants de Hadja Nene Souadou. Il y a aussi Asmaou Diallo. Asmaoula, elle a sa pharmacie en banlieue de Conakry. Elle a une pharmacie là-bas. Il y a aussi Mamadou Diallo. Maintenant, la maman de Nieloy, de Ousmane et de Fatou, elle s'appelle Hadja Sherif. Hadja Sherif, c'est une Mauritanienne. La maman de Fatou et de Ousmane Nieloy s'appelle Hadja Sherif. Elle a eu sa première fille, la grande sœur directe de Fatou Nieloy. Même père, même mère, s'appelle Saratou Nieloy Diallo. Elle s'appelle Saratou Nieloy Diallo. Après elle, c'est Fatou Nieloy qui vient. Fatou Nieloy Diallo. Après Fatou, c'est Ousmane Nieloy qui vient. Après Ousmane Nieloy, il y a Aïcha Nieloy qui vient. Après, son papa a d'autres enfants qui sont Amadou Nieloy Diallo, Guiou Nieloy Diallo et une autre Aïcha Nieloy Diallo. Maintenant, et Allah, je ne le vois pas. Heureusement qu'il m'a expliqué. Je suis en train de vous expliquer là. Heureusement qu'il m'a expliqué. Il m'a expliqué le tout. Heureusement, je n'arrive pas à le prendre. Les commentaires ne défilent pas. Non. Eh, maman des pauvres, ils ont appelé leur sorcier aujourd'hui qui est rentré dans le réseau. Là, il est là, maman d'Assoula. Je vais faire travailler ma tête d'un milliard de gigas. Maintenant, l'histoire qu'il m'a racontée, l'histoire entre la famille Nieloy ne date pas d'aujourd'hui. Mais leur père, c'est un Guinéen à sens unique. C'est un Guinéen à 100% ouvert. C'est un Guinéen avec une générosité énorme.
Si vous voyez Fatou parle malinké, si vous voyez Fatou, elle parle soussou, c'est grâce à son papa. Parce que son papa, il a accueilli des enfants malinqués là-bas. Il a accueilli des enfants soussou là-bas, qui sont venus tous derrière son fils, Mamadou Dine Niello Diallo. Le Dine là, il avait des amis. Il y avait un Mori, un étudiant qui avait été tué. Il s'appelait Mori. Il avait été tué pendant la grève des élèves au temps du feu général Lassana Conté. Celui qui avait été tué, ce jeune-là habitait dans la famille des Nieloï. Ce jeune-là était éduqué par le papa de Fatou Nieloï. Le jeune-là venait de Cancan. Donc, comme c'est l'ami de son fils, Elhadj Oumar Nieloï, il a dit aux parents de Mori de laisser Mori venir habiter chez lui pour qu'il puisse étudier. Donc, le Mori là est malinqué. Mori, je ne sais pas si Dibé ou quoi, il m'a dit son nom, mais c'est Mori. Le Mori là est venu chez les Nieloï. Elhadj Oumar l'a accueilli comme son fils. C'est lui qui l'éduquait. C'était un étudiant. Il avait été tué pendant les manifestations des élèves au temps du feu général Lansana Conté. Donc, il y avait aussi d'autres jeunes guinéens, soussous, qui vivaient dans la famille des Nieloï. Écoutez, c'est une grande famille. Une famille noble, une famille respectable. C'est totalement incroyable et inimaginable que maintenant, on voit deux personnes qui sortent de cette famille, qui font du n'importe quoi. Maintenant, l'histoire avec Alpha Condé, ça a commencé où? Avec la famille Nieloï. L'histoire avec Alpha Condé, vous savez qu'elle dit que son père est le fondateur de l'UFDG. Elhadj Oumar Niello Diallo était avec le doyen Ba Mamadou, paix à leur âme, que Dieu ait pitié de leur âme. Elhadj Oumar Niello Diallo était avec le doyen Ba Mamadou. Elhadj Oumar Niello Diallo, c'est un grand karamoko. Quand il travaille pour toi aujourd'hui, demain, après-demain, tu verras les résultats. Parce que c'est un musulman saint, propre, qui avait son cœur ouvert. Maintenant, quand le feu général Lansana Conté a arrêté Alpha Condé, le doyen Ba Mamadou, la Guinée, les Guinéens, pourquoi mes commentaires ne défilent pas aujourd'hui? Pourquoi mes commentaires ne défilent pas? Le doyen Ba Mamadou, c'est-à-dire le président Sellou, c'est le doyen Ba Mamadou. Après le doyen Ba Mamadou, le président Sellou est devenu président de l'UFDG. Donc, le doyen Ba Mamadou, au temps du fait général Lansana Conté, était opposant. Donc, le doyen Ba Mamadou, comme l'historique que je vous racontais ici, là, vous les RPGistes, vous qui diabolisez Alagi Sellou, là, vous qui pensez que Sellou, c'est un ennemi d'une ethnie où il est contre des gens, le président Sellou d'Alain Diallo, quand Alpha Condé était arrêté, il a lutté. Il a demandé au feu président général Lansana Conté de libérer Alpha Condé, de ne pas apporter de l'importance à Alpha Condé, de laisser Alpha Condé. Et les cadres soussous de l'époque ont dit au feu général Lansana Conté, tu vois le peuple là, c'est ton ennemi. Lui, il te dit de libérer Alpha Condé. Quand Alpha Condé était arrêté, c'est Lou Dalin demandait à ce qu'on libère Alpha Condé. Maintenant, dans ça, le doyen Ba Mamadou, étant ami lutteur
du même combat comme Alpha Condé contre le feu général Alassane Condé, le doyen Ba Mamadou est parti voir Elhadj Omar Niello Diallo, le papa de Fatou. Ça veut dire que je vous raconte ce qui m'a été raconté par Sam, son membre de famille directe. Mes commentaires ne bougent pas, je ne sais pas c'est quoi, il ne vient pas, mais on va faire. Manchallah, il m'a expliqué. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est le strict et sincère vérité sur l'histoire de la maman des pauvres. Maintenant, le doyen Ba Mamadou est parti voir le feu doyen Ba Mamadou. Je ne vois même plus. C'est maintenant que je vois les cœurs monter. Maintenant, les commentaires commencent à monter. Voilà. Ça commence à monter. Koto, pardon, Fial, il faut écrire ici. Maintenant, ça commence à monter. Maintenant, le doyen Ba Mamadou est parti voir. Il est parti voir Elhadj Omar Niello pour demander à Elhadj Omar Niello de faire le travail pour que l'Ansana Conte puisse libérer Alpha Condé. Allahu Akbar. Et aujourd'hui, je vois cette communauté du RPG qui s'acharne sur une communauté. À cause de quoi? À cause d'une base que vous ne connaissez pas. Le doyen Ba Mamadou a demandé à Elhadj Omar Niello de faire le travail pour que le feu général Alassane Conté libère Alpha Condé. Le doyen Elhadj Omar Niello a dit, ah, tu veux que je fasse ça? Le doyen Ba Mamadou a dit oui. Le feu Elhadj Omar Niello, le papa de Niello, il a pris ça dans ses mains. Il a fait le travail. Il a dit quelque temps, Inch'Allah, on met ça sur Dieu, il va être libéré. Et ils ont libéré Alpha Condé. Le feu général Alassane Conté a libéré Alpha Condé. Quand Alpha Condé a été libéré, Alpha Condé a demandé au doyen Ba Mamadou de dire à Elhadj Omar Niello de venir le voir. Que c'est un grand monsieur, que c'est un grand karmoko, qu'il veut récompenser Elhadj Omar Niello. Le doyen Ba Mamadou est parti faire la commission au feu Elhadj Omar Niello. Il y avait son fils là-bas, le grand frère, l'aîné de leur famille, Kerno Alassane Niello Diallo. Je ne sais pas s'il est devenu Elhadj. Quand le doyen Ba Mamadou est parti voir Elhadj Omar Niello, le vieux a dit au doyen Ba Mamadou, ah, vous voyez l'histoire d'Alpha Condé, vous voyez, excusez-moi, hein, vous voyez, ce n'est pas pour m'acharner encore, pour dire ceci, mais la vérité reste la vérité. Si une personne, en tout cas, fait un travail comme ça pour moi, et que je sors dans ce problème-là, ce n'est pas la personne-là qui va venir vers moi. C'est moi qui dois aller vers la personne-là pour le remercier. C'est moi qui dois aller vers la personne-là pour me remercier. Quel que soit mon titre, je dois me déplacer pour aller le remercier. Le doyen Omar Niello a dit au doyen Ba Mamadou de dire à Alpha Condé qu'il ne peut pas aller là-bas, mais qu'il va envoyer son fils. Le grand frère Kerno Alassane Niello Diallo. Donc le grand frère de Fatou, Kerno Alassane Niello Diallo, allez le demander, est parti avec le doyen Ba Mamadou voir Alpha Condé. Quand ils sont partis voir Alpha Condé, doyen Ba Mamadou a dit, c'est le fils d'Omar Niello. C'est lui qui l'a envoyé. Alpha Condé a dit au fils
d'Oumari, de l'âge, le grand frère de Fatou, il a dit, ah, vraiment, ton père, c'est une bonne personne. Ton père est bien. Il est vraiment bon. Mais que Dieu nous aide. Maintenant, Alpha Condé a pris 5 millions. Il a pris 5 millions. Il a donné au grand frère de Fatou Nyeloui. Ça, c'est quand Alpha Condé était sorti en prison, après son truc de rébellion. Quand Alpha Condé est sorti de prison, on l'a mis en prison, son truc de rébellion de 2001. 2002, il est sorti en prison, il a fait 2 ans. Maintenant, il a pris 5 millions, il a donné au grand frère de Fatou Nyeloui, d'aller donner ça à son père. Maintenant, quand le grand frère de Fatou Nyeloui est arrivé à la maison, il a pris l'argent, il a donné à son papa. Mais le vieux, le doyen, quand il fait le travail pour les gens, quand vous venez le voir, vous lui payez, vous lui donnez de l'argent, il distribue l'argent aux gens. C'est un vieux qui est comme ça. Il est toujours comme ça. Maintenant, quand l'argent est venu, les 5 millions d'Alpha Condé est venu aussi, le doyen Oumar Nyeloui a pris les 5 millions là, il a distribué aux gens. Maintenant, le contact là, l'histoire là, est restée entre la famille Nyeloui et Alpha Condé. Entre la famille Nyeloui et Alpha Condé. Vous comprenez? Laissez les RPGistes dire comment. C'est leur affaire. En tout cas, ils ne veulent pas la vérité sur leur colis. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alhaji Sellou Dalène devient président de l'UFDG. La vérité, on va le dire ici, aujourd'hui, la fin du film. La vérité, on va le dire. Alhaji Sellou devient président. Et maman des pauvres, et maman des pauvres, et maman des pauvres. Tout l'injure qu'elle fait, j'aurais voulu que Koto la vienne pour dire ça ici. La cause, elle va le nier. Elle va le nier. L'amour que Alhaji Sellou avait, parce que le vieux est décédé, pour Elhaj Oumar Nyeloui. L'amour que Alhaji Sellou avait pour lui, le respect que Alhaji Sellou avait pour lui, n'a pas de limite. C'est le doyen Ba Mamadou qui a confié Sellou Dalène au papa de Fatou Nyeloui. Maintenant, je vais raccourcir. Wallahi billahi, wallahi billahi. Ils ont influencé Koto là-bas. Ou bien il ne veut pas à cause du monde là. Mais Fatou sait. Et leur famille sait ce que je suis en train de dire. C'est la vérité. La preuve en est que j'ai le nom de toute la famille. La preuve en est que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas inventé. Vous savez, la vérité. Pourquoi je le dis? Parce que hier, j'ai parlé à la famille Nyeloui. Et on m'a contacté pour montrer, dire aux gens que cette famille, ce n'est pas une famille comme ça. C'est seulement les quelques-uns là, le petit Ousmane là et Fatou là seulement qui sont comme ça dans leur famille. Ya Fatou, moi je ne savais pas où, on ne savait pas où. Ya Fatou, tu es amoureux du président. Ya Fatou, tu es amoureuse du président. Pé Fatou, amoureuse du président là. Tu ne peux pas dire ça pour qu'on finisse avec tout ça là. Pour qu'on finisse avec tout ça là. Hein? Pour qu'on finisse avec tout ça là. Hein? Fatou a demandé à son papa de l'aider pour que Alhaji Sellou l'épouse comme sa deuxième femme. Parce qu'elle a une rêve grandiose.
elle veut commander. Son rêve, le plus absolu, elle veut commander. Elle veut être la femme d'une personnalité. Elle veut que ce soit une personnalité qui l'épouse. Donc, Fatou, gars, tu es amoureuse du président. Gars, tous les cris là, c'est à cause de ça. Vous savez, si une femme a la colère contre un homme qui ne veut pas d'elle pour l'épouser, vous savez que la guerre là ne finira jamais. Vous savez que la guerre là ne finira jamais. Vous savez que la guerre là ne finira jamais. Et c'est pourquoi elle dit, elle redit qu'elle ne naîtra jamais ce loup d'Alain. Parce que elle ne croyait pas, à cause de l'amour, à cause du respect que son père a pour ce loup d'Alain, que ce loup d'Alain peut refuser ça à son papa. À cause du respect, à cause de l'amour que ce loup d'Alain avait pour son père, elle ne pouvait pas, elle n'a pas imaginé, elle n'a pas imaginé que ce loup peut, Alagi ce loup peut refuser ça. Ah! Maintenant, le président a dit qu'il n'épouse pas Fatou. Ça m'a été dit par un membre de sa famille. Et sa famille est au courant. Et ça, c'était le rêve le plus absolu, la plus grandiose rêve de la maman des pauvres. Si vous voyez, elle ose sortir, s'asseoir pour insulter le président. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qu'elle fait, l'amour qu'elle avait pour le président, cet amour-là s'est transformé en haine. Cet amour-là s'est transformé en haine. L'amour s'est transformé en haine. Donc, quand ils sont partis au RPG, quand ils ont commencé à insulter toute la communauté Fulbe, en précisément le président Selou, principalement le président Selou, ils ont dit, la famille, après la mort de son père, le grand frère a réuni la famille parce qu'elle a fait une vidéo qu'ils ont fait vote dans les temps pour dire que ah, on a voté pour que on part au RPG. La majorité a dit on va partir au RPG. Sa maman, la famille a demandé à sa maman de parler à leur enfant, d'arrêter, de dire à Ousmane d'arrêter. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas écouté leur maman. Leur maman est restée à leur côté. Maintenant, comme la famille a eu des menaces, ils vont brûler leur maison parce qu'ils insultaient la communauté. La famille a eu ces menaces. Le grand frère a réuni toute la famille pour dire à la maman de Fatou de prendre ses enfants, de quitter la maison. Ils ont été cherchés. Nénin shérif. Une dame shérif. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez c'est quoi shérif? Quand les personnalités qui lisent le Coran s'asseyent aujourd'hui pour faire lecture du Coran, un autre nom ne peut pas venir lire le Coran devant les shérifs. Parce que les shérifs, c'est les descendants directs, c'est les petits-fils directs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La maman de Fatou, Khadija Shérif, une Mauritanienne, non vraiment, c'est incroyable. Leur maman a dit carrément qu'elle ne dira pas à ses enfants d'arrêter, qu'elle soutient ses enfants. Maintenant, toute la famille, le reste, par la voix de leur grand frère, ont demandé à la maman de Fatou de quitter la maison. Ils sont partis en ville. Alpha Condé les a logés à l'hôtel. La maman de Fatou
sont partis en ville. Mais avant ça, quand leur père était vivant, ils habitaient à Koléa. Après, ils ont quitté à Koléa. Ils sont venus à Komandanya. Après, ils sont partis dans leur truc de concession là. Là où ils sont actuellement. Donc, leur maman a dit qu'elle ne va pas dire à ses enfants d'arrêter. Ils ont été cherchés. Tout le monde, tous les trois ont été cherchés. Donc, ils sont partis loger à l'hôtel. Actuellement, Fatou loge à l'hôtel avec sa maman. Comme Ousmane est en prison. Actuellement, Fatou loge à l'hôtel. Je ne sais pas s'ils ont quitté là-bas. Mais, aux dernières nouvelles, la famille Nyeloi, les fils et les filles de l'âge Oumar Nyeloi n'ont rien à voir avec ça. Parce qu'ils les ont fait asseoir. Ils les ont dit, arrêtez de faire ce que vous faites. Vous êtes en train de déshonorer le nom de notre famille. Vous êtes en train de déshonorer le nom de notre père. Donc, l'histoire entre Fatou et Selou Dalin, c'est une histoire amour forcé. C'est une histoire amour forcé. C'est une histoire amour forcé. Eh, Koto. Eh, Koto. Eh, Koto. Eh, attendez. Maintenant, elle a dit, comme le président ne l'a pas épousé, comme son père est décédé, le président ne va pas l'épouser. Elle est partie rejoindre le RPG pour combattre Selou Dalin. Si vous voyez qu'elle dit dans ses lives, je ne pardonnerai jamais Selou Dalin, je ne laisserai jamais Selou Dalin. Ah! En tout cas, moi, si mon père décède, mon père est décédé, ma mère est décédée, paix à leur âme. Hein? Si leur famille, président n'est pas parti là-bas, tous ces injures-là, est-ce que c'est la cause parce que le président n'est pas parti assister au décès de leur papa? Il faut se poser la question-là. Est-ce réellement la cause-là? Parce que Selou n'est pas parti souhaiter les condoléances au moment exact du décès de leur papa. Donc, tout ça, c'est-à-dire l'histoire de la famille de Nyeloi, c'est une histoire de la Guinée d'une même famille. Parce que chez leur papa, il a éduqué les enfants Soussou là-bas. Chez leur papa, il a éduqué les enfants Malinké là-bas. Il a pris les enfants d'autrui comme ses enfants. Il y a même eu un ministre. Oui, un ministre Silla, à l'époque, j'ai oublié son nom, il m'a dit ça. Un ministre Silla qui a été éduqué par le papa de Fatou Nyeloi. Un ministre qui a été éduqué avant que la personne là devienne ministre. C'était un Silla, ministre, c'est un ancien ministre de l'Habitat. Il a été éduqué par Elage Oumar Nyeloi. Et une bonne personne. Une bonne personne. Et donc, affaire d'amour là peut arriver jusqu'à ce point, maman des pauvres. Affaire d'amour là peut arriver jusqu'à ce point. Hein? Affaire d'amour là peut arriver jusqu'à ce point. Tu veux être rival de la maman nationale. Ah! Toi, une du Founouri, pom, crier Riyat Moubaride. L'odeur du lait n'a même pas quitté dans ta bouche. Toi, tu vas être épouse du président Selou. Tu vas être rival à Galimatu. Non, mais c'est incroyable. Donc, sa maman est aimée par son papa jusqu'à sa mort. Son père aimait beaucoup sa maman. Donc, qu'on dise à la maman
de Nyeloy, qu'elle a dit qu'elle ne dira pas à ses enfants d'arrêter, qu'elle préfère aller vivre avec ses enfants. Elle a pensé que affaire de co-épouse là, on ne veut pas le bonheur de ses enfants. Alors que tous ces gens qui ont dit de dire à tes enfants d'arrêter, ils n'ont pas dit parce que c'est vous êtes co-épouse. Ils n'ont pas dit parce que ils ne sont pas du même mère. Non, non, non. Ils ont dit pour le bien de la famille. Ils ont dit pour le respect de la famille. Parce que quand on parle le nom d'Elhaj Oumar Nyeloy aujourd'hui quelque part, on parlera du nom de toute la famille. Et c'est ce nom-là qui est, ce prénom-là qui est sur le nom de tous les fils et filles. Nyeloy, Nyeloy, Nyeloy. Donc, maman, on ne t'a pas dit de dire à tes enfants d'arrêter de parce que on est contre eux. Ou parce que les demi-frères là, ou les demi-sœurs là, sont contre leur bonheur. Parce que leur maman a pensé que comme Fatou a des relations avec l'ancien régime, avec le petit Nyeloy, quand on les a demandé de dire à ses enfants, quand on l'a dit de dire à ses enfants d'arrêter, elle a pensé que les demi-frères et les demi-sœurs sont contre le bonheur de ses enfants. Vous voyez le système? Vous voyez, vous comprenez le jeu? Vous comprenez le jeu? Donc, RPGiste, je vous dis bel et bien, la Guinée est une famille. La preuve en est que votre président, il a reçu l'aide de la part de son frère, de son tonton Elhaj Oumar Nyeloy Diallo, par l'intermédiaire de Elhaj Bamamadou Diallo. Paix à leur âme. Paix à leur âme. La Guinée est une famille. Hein? La Guinée n'est pas... C'est-à-dire, la Guinée n'est pas... On n'est pas des... Comment je vais dire? On n'est pas... Personne n'est mieux que quiconque. Personne. Personne n'est mieux que quiconque. Donc, l'histoire de Fatou, c'est ça. Je crois que quand il avait dit, parce qu'il avait dit, il y a ses beaux-parents qui ont dit de ne pas faire ça, quand on parlait là, il y a ses beaux-parents qui écoutaient. Ses beaux-parents lui ont dit de ne pas sortir. Vous savez que la famille, je pense bien que c'est ça, c'est sûrement c'est ça. Sûrement c'est ça. Vous savez qu'il y a chez les peuples, ils respectent trop les beaux-parents. Ils considèrent trop les beaux-parents. Mais je pense que j'ai assez dit et vous avez parfaitement compris. L'histoire, la fin du film de la maman des pauvres. Pourquoi elle insulte Sellou? Pourquoi elle en veut à Sellou? Pourquoi tous les jours c'est Sellou? C'est Deka qui a mis Ousmane en prison. Mais c'est Sellou qui a payé les juges. Qu'est-ce que Sellou va faire pour payer les juges? Sellou ne connaît même pas les juges. Ah, Ousmane a été condamné 2 ans. C'est Sellou qui a condamné Ousmane. Donc, pour l'amour de Dieu, je veux que tous les communicants, tous les militants de l'UFDG, qu'on ignore Fatou, ignorons Fatou, ignorons-la, tout ce qu'elle croyait là, c'est l'ancien ministre de la Sécurité, Albert Damantan Camara. C'est à cause de ça son mariage a été gâté. C'est à cause de ça son mariage a été détruit. Parce qu'elle était en relation directe avec Albert Damantan Camara, le ministre, l'ancien ministre de la Sécurité. Elle sortait avec des gens. Tous ceux-là sont aujourd'hui hors du sujet. Mais principalement, à cause d'Albert Damantan Camara, le mariage de Fatou Nyeloy a été gâté. Son mari aussi a fait quel jeu? Son mari a fait sortir les papiers. Son mari a fait sortir tous les papiers avec les enfants. Il a fait le regroupement, il a fait tout. Quand elle est arrivée aux États-Unis, le mari a récupéré ses enfants. Les gens qui disent que ah, le mari de Fatou, ah, c'est un gawa, c'est rentré, sorti comme ça. Le gars, il a été patient. Il a fait les papiers pour récupérer ses enfants. Il a fait les papiers quand Fatou est arrivé aux États-Unis avec ses enfants. On a tous vu le buzz, non? Elle fait le buzz, je suis aux États-Unis, tout, 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 tout.
Le mari a récupéré ses enfants. Doi, tout doucement. Il a récupéré tous ses enfants. Il a saché Fatou Nyeloi. Fatou n'était pas chez son mari aux États-Unis. C'est à partir de là-bas qu'elle racontait aux gens le nombre de copains de cadre qu'elle a eu. C'est là-bas que le nom du colonel Bala Zamora est sorti, inventé par elle. C'est là-bas que le nom de beaucoup de cadres sont sortis. Maintenant, maman des pauvres, soi-disant maman des pauvres, conseil que moi, je vais te donner en tant que frère. Parce que ce qu'elle veut, elle a demandé à ce que les sages de Alpoular, la coordination Foulbé, se déplacent, se lèvent pour aller la demander pardon à elle. Mais Fatou, Fatou, toi, tu es qui? Pour que la coordination Alpoular se lève pour aller te demander pardon. Mais c'est les gens, les militants de l'UFDG qui t'ont donné de l'importance. Sinon, tu n'es pas une importance. Tu n'as aucune importance. Aucune importance. Aucune importance. C'est les militants là qui te donnent de l'importance. Tout ce qu'elle veut là, elle veut que vous lui donnez de l'importance, qu'elle sorte sur France 24, qu'elle sorte sur des trucs et qu'une grande personnalité la voit et ramarie. Alors, ramène ta femme et ton fils. Mais avec tes comportements là, si quelqu'un ne te dit pas cette vérité, moi, je vais te dire cette vérité. Avec tes comportements-là, tu n'auras pas un mari pour t'épouser. Parce que bah, la étiquette collée était comme. Tu t'es collé un mauvais étiquette qui va se répercuter sur toi plus tard que même toi-même, tu ne vas pas savoir. Tout ce que tu fais là, maintenant, là, tout de suite, là, l'effet là, tu ne vas pas savoir. Hein. Tu ne le sauras pas. Tu penses que tu es sur le droit chemin. Tu penses que tu as raison. Comme ta maman... Vous tous, vous avez parlé que non, de vous laisser comme ça. Vous avez pris votre maman dans la maison que votre papa l'a laissée. Vous l'avez envoyée en ville. Allah, vous l'avez envoyée en ville. Que là-bas, on ne veut pas de votre bonheur. Mais vous allez vous rendre compte que tôt ou tard, wallahi billahi, tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'égarement. Maintenant, tout ce que tu rêves de faire là, si tu veux avoir ça, il faut arrêter d'insulter les gens. Il faut arrêter de traiter les gens. Et je demande à tous les militants, affaire de Ousmane Nyeloi, c'est fini. Le petit a été condamné 2 ans. Il est en prison. On a quel intérêt pour suivre Fatou? On a quel intérêt pour écouter Fatou? On gagne quoi pour écouter Fatou? Qu'est-ce que Fatou va raconter qui est important, qui est bénéfique pour l'UFDG? On a des préoccupations plus importantes à faire. Des milliers, des centaines de personnes nous appellent aujourd'hui en inbox. On essaye de faire adhérer. Moi, mon objectif aujourd'hui, je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça tout de suite. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas d'élection. Que c'est lui, que tout le monde décide, on met celui au pouvoir. Si c'est possible, qu'on dit tout le monde... Ah, maintenant, avec comme ça qu'on voit là, tous les opposants, tout le monde soit unanime. Avec l'allure qu'on voit là, tout le monde dit, ça c'est moi, c'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. Où on part aux élections, UFDG fait 100% au premier tour. Que tu veux l'entendre ou pas, toi qui es fâché là, toi qui mets les têtes de mort, que tu veux l'entendre ou pas, Berdenden Walike, mon moyen ça, il y a bientôt. La Mike, Legi, Yakos, que tu veux l'entendre ou pas, on donnera le pouvoir à Selou. On regardera Selou. Quand Selou va être président, fin de transition, c'est dans 2 ans. On va gracier petit Nyeloi. C'est pas colonel Mamadi Doumbouya ne va pas gracier Nyeloi. Quand Selou va être président, Fatou, Selou va gracier ton fils, ton frère. C'est lui que tu insultes là. Hein? Toi, tu es amoureuse. Lui, il ne voit pas ça. Il ne veut pas ça. Il aime sa femme. Hein? Ça, c'était même avant que le président prenne deuxième femme.
Ça ne date pas d'aujourd'hui, de l'histoire que j'ai expliquée là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, Alagui Selou, c'est sa maladie. C'est tout. Alagui Selou, c'est sa maladie. C'est sa maladie. C'est tout ce qu'elle imposait à son papa de faire. Tout ce qu'elle imposait à son papa de faire. Mais le Alagui n'a pas fait ça. Donc, notre objectif, c'est d'élire notre président, futur président de la Guinée. Notre objectif n'est pas d'écouter Fatou Nyeloué, que tout le monde l'ignore. Elle sort pour insulter, pour qu'on l'accorde de l'importance. Elle sort pour l'insulter, pour qu'on dise, on cherche Fatou, on veut l'avoir ceci, on veut l'avoir cela. C'est vrai, elle a dépassé les limites. Mais tout ce qu'elle est en train de faire, c'est une fille amoureuse déçue. C'est une fille amoureuse qui pensait qu'elle pouvait être la femme du président Selou. Jamais le président a dit non. Hein? Où est le problème là-bas? Où est le problème là-bas, Fatou? Où est le problème là-bas? Toi, une belle fille. On ne peut pas se mentir. Une belle fille, bien arrêtée. Hein? Tu sais bien parler, mais impolie. Pourquoi? Impolie. Quand quelqu'un, c'est-à-dire tu es belle comme la Gina, tu es belle. Tu as toutes les qualités de la beauté physique. Mais si tu es impoli, ta beauté là est zéro. Ta beauté là, c'est zéro pour les gens. On va dire, hé, la personne là, elle est belle, elle est belle. Mais elle est impolie. Qui va vouloir d'elle? Qui? Qui va épouser une femme impolie? Qui va vouloir? Qui va épouser une femme impolie? Qui? Personne. Qui? Hein? Qui? Qui? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas aller en profondeur. C'est Koto qui était mieux placé pour parler de ça. Donc, la famille est une bonne famille, bien éduquée. Il y a même des frères qui voyagent, qui sont bien placés. Le grand frère, aujourd'hui, Tierno Alassane, Nyelo Diallo, c'est lui qui remplace son père. C'est lui qui s'occupe de la famille. Ils n'ont rien à voir avec ce que Fatou et Ousmane font sur les réseaux sociaux. Rien du tout à voir avec eux. Ils les ont parlé, ils ont tout fait. La manière dont leur papa se comportait, la maman dont leur papa a vécu, c'est vraiment aucun problème. Fatou a pris son problème d'amour pour venir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire saouler les gens. Insulter les gens, manquer de respect aux gens. Fatou, il faut arrêter. Et il n'est pas tard de te repentir. La communauté tout entière peut te pardonner. La communauté tout entière peut te pardonner. Si tu te demandes, parce que dans la vie, il faut se rabaisser. Il faut se rabaisser pour pouvoir avoir le respect des autres. Il faut se rabaisser. Parce que se rabaisser là, ce n'est pas une faiblesse. Non. C'est un signe d'intelligence. Mais dire que toi, il faut que c'est les Alpoulards qui partent rendre visite, les sages de Alpoulard là, hein? La coordination. Mais va de toi, tu es qui? Les sages de Alpoulard vont partir te voir pour te demander pardon. Ah, ah ouais. Tu es plus puissant. Tu veux être plus puissant que la maman nationale. Toi, tu es qui? Hein? Toi, tu es qui? Pour que les sages de Alpoulard partent te voir. Ah ouais, la fin du film. À la baie, s'il vous plaît. À la baie. M'gégui, mon militant, mon fop. Ake, ake. Ignorons Fatou Nyeloué. C'est fini pour elle. C'est moi qui vous dis. C'est fini pour elle. Général Balé n'est plus aux affaires. Albert Damantan n'est plus aux affaires. Les autres ne sont plus aux affaires. Fatou n'a rien. Elle ne peut rien apporter à l'UFDG. Ignorant là. La famille du président Alagui Selou sont plus que ça, pour dire qu'on va porter plainte, pour dire qu'on va la poursuivre. C'est de la donner de l'importance. C'est de la tisser au haut. Ce qu'elle veut, c'est de faire couler cette famille, parce qu'on ne l'a pas épousée. Ce qu'elle veut, c'est de faire couler Selou Dalé, parce que Selou ne l'a pas épousée. Ce qu'elle veut, c'est de mettre cette famille en retard, parce qu'on ne l'a pas épousée. Qui peut l'aider? À ça, c'est nous les militants, c'est nous. Désabonnez-vous de la page Nyeloué. Arrêtez d'écouter ce qu'on voulait là.
Nyelo a été condamné, c'est fini. Désabonnez-vous là-bas, désabonnez-vous. Quittez la page là, laissez-la complètement elle seule. Quand elle vient en live là, qu'elle pleure elle seule. Quand elle vient en live là, qu'elle crie elle seule. Laissez-la, c'est fini. Damantan, son copain, ministre Albert Damantan, le Kakilambe là, Namakwasiri Kouye, Sahara Langri, il n'est plus aux affaires. Oui, il n'est plus aux affaires. C'était son copain ça, son rêve, son espoir. Quand elle part même au ministère là-bas pour affaire de passeport, là, on l'a fait passer devant les gens. Moi, je suis parti prendre mon passeport là-bas, masqué, complètement masqué. Le jour là, j'ai vu Fatou Nyelo. Le jour là, je t'ai vu là-bas. Elle était avec deux petites comme ça. Quand elle est venue prendre le passeport, on était nombreux, on était assis dans la grande salle là où on fait attente là. J'étais assis. On a mis tout le monde, on a mis les gens derrière, on l'a fait passer devant avec son groupe. Ah ouais, l'époque là, c'est fini. C'est moi qui te dis, l'époque là, nabara nyon, nabara dan, c'est fini. Abara bang. Là, ce que tu dois faire maintenant, c'est de te calmer. Tu es parti. Tu as perdu tes enfants. Tu es retourné en Guinée. Le mieux pour toi, c'était de rester calme, de rester dans l'ombre, de chercher solution pour toi. Billahi wallahi, tu pouvais t'en sortir. Mais encore, tu t'es encore englouti. Tu t'es encore englouti, englouti. Mais, Adonga Kouyeba Medera, c'est ce que j'avais à dire. On se dit à bientôt. Concentrons-nous sur l'objectif principal, unir et servir, rassembler tous les gens. Demain, je serai en live, en débat, avec un RPGiste, un sympathisant du RPG, Mamoudou Sylla. Mamoudou Sylla, vous connaissez Mamoudou Sylla, hein? Voilà. Sur la chaîne de Amtro TV, Mamoudou Sylla m'a dit que si j'arrive demain à le battre en débat, qu'il va adhérer à l'UFDG. Donc demain, préparez-vous à partir de 21h de France, on a un autre militant qui va venir dans l'UFDG. Mamoudou Sylla va débattre avec moi demain sur la page d'Amtro TV et sa promesse est que si je gagne le débat, il va adhérer publiquement à l'UFDG. Donc demain, préparez-vous, on a un autre militant demain. C'est ça l'objectivité. On va récupérer tous les réseaux sociaux. On va récupérer tous les gens sur le terrain. Quittons dans cette futilité-là. La fin du film-là. Quittons dans ça. Histoire de Fatou-là. Oublions ça. Hé, il y a une grande bataille qui nous attend. Quittons dans ça. Consacrons-nous sur la vraie, c'est-à-dire la vraie réalité, le vrai objectif du parti. Unir et servir. Agnon. Vous pensez que la force qu'on est en train de ramasser là, la force qu'on est en train de ramasser là, qui fait peur, qui fait mal là, tu vois RPGiste, il veut jeter son téléphone. Regarde RPGiste, il veut jeter son téléphone. Ne jette pas ton téléphone. Tu sais, Corona n'est plus au pouvoir. Hein? Les euros, ça tombe plus haut, ça vient plus haut. Si tu jettes ton téléphone là, tu pars pour prendre crédit. Blanc ne va pas te donner maintenant parce que tu dois un peu de crédit là-bas. Ne jette pas ton téléphone à cause de moi. Garde le téléphone dans ta main. Garde dans ta main. Hein? On va unir et servir. L'objectivité, c'est ça. Des centaines de milliers de personnes aujourd'hui sont en train de rallier l'UFDG. Des ralliements de Kanka, la FIEPS. Des ralliements de Kanka. En cours, ils vont venir tous sur le live ici. Kanka. Les gens de Kanka. Et Allah. La patience est bon. Seule la patience paye. Gardons la patience. Concentrons-nous sur le vrai travail. Ignorons Fatou Nyelo. Alabé, ignorons-la. Je veux qu'on avance. Avançons. C'était votre frère, Djibril Hadji Sylla de l'UFDG. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bonjour et bonsoir chez vous. Merci.